Now we are going to use the highly effective concerts. You should listen to the first concert whilst also following the memory map. The music not only creates a relaxed and receptive mind, but also helps form emotive associations with the words. The concert sessions ensure right as well as left brain is involved. Philippe arrive à Paris, lundi. Philippe regarde la maison. Elle est grande et belle. Philippe s'approche de la porte d'entrée. Il sonne et attend. Une dame âgée ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Bonjour, madame. C'est ici la maison de Monsieur Dubois? Oui, c'est ici. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dubois. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur West. Ah oui, Monsieur West. Entrez, s'il vous plaît. Merci, madame. Philippe entre dans la maison. Madame Brostou appelle Mademoiselle Dubois. Qui est-ce? C'est Monsieur West. Mademoiselle Dubois descend l'escalier. Elle est grande et belle. Elle a les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle regarde Philippe avec un sourire. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Bonjour, mademoiselle. J'arrive d'Angleterre et j'apporte un paquet pour Monsieur Dubois. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Philippe West. Vous avez une pièce d'identité? C'est important. Philippe donne son passeport à la jeune femme. Tenez, voilà mon passeport. D'accord. Vous vous appelez Philippe West et vous êtes anglais. Oui, c'est ça. Je suis étudiant, j'ai 23 ans et j'habite Londres. Bien, je suis contente de vous voir. Bienvenue à Paris. Je suis Jacqueline Dubois. Le paquet est pour mon oncle, Monsieur Anatole Dubois. Bon, tenez, voilà le paquet. Merci bien. C'est tout? Non, mon oncle rentre à Paris ce soir. Venez à la maison demain matin à 10h. Vous avez une chambre réservée pour la nuit à l'hôtel d'Angleterre, rue Bonaparte. C'est un petit hôtel. Mais il est confortable. C'est loin? Non, c'est à 200 mètres. Vous sortez de la maison, vous tournez à droite et la rue Bonaparte est à gauche. Merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. À demain. Philippe arrive à l'hôtel. Madame Marat, la patronne, est à la réception. Bonsoir, monsieur. Vous désirez? Bonsoir, madame. Vous avez une chambre réservée pour Monsieur West? Pardon? C'est à quel nom? Monsieur West. C'est une chambre pour une personne ou pour deux personnes? Pour une personne. Ah oui, voilà. Vous avez la chambre numéro 7. C'est une chambre avec salle de bain. Très bien. C'est à quel étage? C'est au premier étage. Voici la clé. Merci, madame. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, madame.
Philippe monte l'escalier. Il trouve la chambre numéro 7. Il ouvre la porte et entre. La chambre est agréable et calme. Le lit est confortable. Philippe est fatigué, mais content. « Quelle journée extraordinaire » pense-t-il.